Ben, au début, ce n'était même pas tellement une passion pour moi parce que je voulais être cuistot. Mais pour être cuistot, il faut parler le français. Et comme j'étais à Bâle, je ne parlais pas le français. Alors, ben, je ne savais pas quoi faire. Comme mon père il travaillait dans une entreprise de soufflage de verre, il m'a dit, mais viens une fois voir qu'est-ce qu'on fait chez nous. Peut-être ça t'intéresse. Et je commence à 14 ans et faire le métier comme apprenti, qui était assez difficile. Alors comme ça, je rentre dans le verre. J'étais à la veille Garouche et je ne gagnais pas beaucoup d'argent ce temps-là. Et je demandais à mon ex-patron de m'augmenter de 50 centimes à l'heure. Alors il ne voulait pas. Alors je commence à décider, à ce prix-là, je peux aussi faire quelque chose moi-même. Je gagne seulement plus d'argent qu'être ouvrier. Alors, je me suis mis à mon compte. J'avais 24 ans. Et je me suis installé à la Jonction avec un associé. Ça n'a pas très bien marché et on s'est séparés. Et je suis venu ici à Meyrin pour faire ça correctement avec ma femme, mon fils et ma belle-fille. Moi, j'ai une chance vis-à-vis des autres souffleurs de verre. Moi, je vis en famille. C'est une entreprise familiale et on vit tous ensemble. Mon fils tout en haut, ma fille au milieu avec ses petits-enfants, mon fils aussi, une petite fille. Rebecca, ma belle-fille, elle travaille avec nous. Ça, c'est mes choix. Ça, quand j'attends le matin les gamins aller à l'école, des fois, je les emmène, même souvent. Ça, c'est pour moi un choix. Ça me stimule de travailler. Je travaille pour quelque chose. La répartition du verrerie, la verrerie scientifique et la verrerie artistique, c'est 90% verrerie scientifique et 10% verrerie artistique. Parce qu'avec l'artistique, vous ne payez plus rien. Vous ne pouvez plus rien vendre, ça coûte beaucoup trop cher. Moi, j'adore travailler l'artistique comme le scientifique. Nous faisons aussi des articles pour des privés, pour des particuliers, ça veut dire des carafes, des verres à boire. On a des artistes qui viennent chez nous demander des objets assez hors commun. On est en train de fabriquer des ampoules, comme à 1800, je ne sais pas, 80, je crois, à l'ancienne, avec le fil de tungstène, la même ampoule qui est installée en Californie, dans une caserne de pompiers qui brûle depuis 100 ans. Et on a repris ce thème-là et ça fonctionne. Il y a trois souffleurs de verre scientifiques à Genève, ouais, qui font encore leur métier. Mais les souffleurs de verre qui sont autour de moi, c'est le souffleur chez Givaudan et chez Firmenich. Ils ont même âge que moi, même âge que moi. Ils sont nés en 1950. L'année prochaine, ils doivent prendre la retraite. Même dans 2 ans, je suis le seul qui reste à Genève, qui fait ça. Je ne sais pas, il faut trouver une solution pour que quelqu'un continue ce métier-là à Genève, parce que on a besoin d'un souffleur de verre. Au moins un par canton. Ouais. Parce qu'il y a des entreprises, des universités qui ont besoin d'un souffleur de verre. Moi, je veux, si la santé me permet, moi, je veux bien faire en 10 ans, parce que j'adore faire ça. La formation en Suisse pour les souffleurs de verre, ça s'arrête, ça fait 17 ans. Ils sont peut-être mis, les autorités ou les gens qui enseignent, peut-être mis un peu trop haut l'apprentissage. Pour ça, il y a eu beaucoup d'échecs et ils ont abandonné la formation. En plus, il y avait très peu de formateurs. Vous voyez ici, vous regardez,
Moi, j'ai fait 5 apprentis. 5 apprentis par 4 ans, ça fait 20 ans. Et que je touche un bon contact avec eux. Hein. Ils sont allés dans différentes directions. Et dans la Suisse romande, j'étais le seul qui a formé mes apprentis. J'ai toujours aimé montrer qu'est-ce que j'ai fait. Je ne suis pas un souffle de verre qui se cache derrière le rideau pour ne pas montrer qu'est-ce qu'il fait. Ça n'existait. Je connais des gens, quand ils allaient faire une pièce, ils mettaient un rideau autour d'eux pour pas on voie comment ils fabriquent leurs pièces. Moi, on peut venir, moi je montre tout. Comme il faut faire, s'il faut faire une rose, comme il faut faire un cheval, comme il faut faire un réfrigérant. Moi, j'aimais montrer aux gens qu'est-ce que je sais faire, parce que j'étais fier de leur montrer ça. Si un jeune qui voudrait faire ce métier aujourd'hui, il devrait trouver un patron en Suisse, ici à Genève, ou à Lausanne, ou à Bâle, ou à Zurich. Les Suisses allemands devraient aller en Allemagne faire leurs écoles, et les Romands devraient trouver une école en France. Ça existe. Je crois à Lyon et à Paris, il y a des écoles de souffleurs de verre scientifiques. Les petits souffleurs comme moi ont ces problèmes-là. Il y a ces multinationales qui sont établies depuis une quinzaine d'années, disons 18 ans en arrière. Ils ont commencé avec de grosses boîtes américaines ou germaniques qui sont là, qui font le dumping sur le marchandise. Ils vendent à des prix dérisoires. Et nous n'arrivons pas tout le temps à suivre. Ça ne sert à rien de travailler, rien gagner. Alors, tous ces grosses entreprises-là qui proposent leurs services aux entreprises pharmaceutiques ou chimiques, et puis, ces boîtes-là font tort aux petits. Nous, à la fin, ben, on est réduit à réparer des choses que les autres ont vendues. Mais on ne crache pas dessus, on le prend, parce qu'on a besoin pour vivre. Nous avons une grande chance, c'est nous faisons des pièces que les autres ne veulent pas faire ou ne peuvent pas faire. Les grosses entreprises, ça ne les intéresse pas. Pour ça, on existe encore, parce qu'on fait des pièces sur dessin, on discute avec le client, on donne un coup de main, on essaye de lui sortir quelque chose. Des fois, il y a des problèmes qu'on ne sait pas, ils ne savent pas comment il faut réaliser, mais nous, on est là pour donner des conseils. On donne des conseils qu'on a acquis depuis toutes les années là. Alors, ça, c'est notre force encore.